Tu auras toujours des gens qui vont douter de toi. Surtout, ne crois pas en ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce que tu es en train de vivre. Ils ne connaissent pas ta vie. Ils ne connaissent pas tes fardeaux. Ils ne connaissent pas tes problèmes. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Et ça, tu ne dois pas l'oublier. N'oublie pas qu'un aigle s'entoure toujours des aigles. Les pigeons ne volent pas à ses côtés. Donc si tu vois des pigeons, c'est que tu n'es pas assez haut. Lorsque tu as des épreuves, tu as deux façons de les voir. Soit tu te dis c'est malédiction, soit tu te dis c'est formation. Chacun sa définition. Si tu veux rester inébranlable, tu vas devoir toujours garder cette foi. La foi est une ferme assurance, une forte conviction, une certitude que ça va marcher. Tu parles des choses que tu n'as pas vues, comme si tu les avais vues. Tu crois que c'est possible, même si tu ne les as pas vues. La foi ne connaît pas le doute. La foi n'hésite pas. Tu ne peux pas laisser le doute prendre le contrôle de ta vie. Tu dois refuser de te laisser manipuler. La vie est dure, le combat est rude, mais rappelle-toi que tu as la victoire. Concentre-toi plutôt sur ce qui est bon. Rappelle-toi que tu es né pour triompher et non pour échouer. Peut-être que tu passes par des moments difficiles, mais cela ne veut pas dire que c'est fini. Ce sera fini quand tu auras décidé que c'est fini. Car tu auras toujours le choix. La vie est faite de choix. C'est toi qui décides d'avancer ou de stopper. C'est toi qui décides de regarder en arrière ou de regarder devant. C'est toi qui décides de regarder ton avenir ou de regarder dans ton passé. Que décides-tu? Que décides-tu? Je t'encourage à continuer. Le combat de tous les jours, c'est de garder la foi. C'est de se dire c'est encore possible. Tu dois juste continuer à travailler. Ne prête même pas attention aux vautours qui sont autour de toi pour ralentir ta course. Peut-être qu'on veut t'arrêter, mais tu te dis non, je vais continuer. Je ne vais pas m'arrêter tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Je vais continuer de faire avancer cette œuvre. Comment peux-tu dire que tu n'es pas béni? Comment peux-tu te dénigrer autant? Pourquoi es-tu si dur avec toi-même? Tu te dis, mais je suis nul, je suis incapable. Pourquoi tu te fais autant de mal? Pourquoi tu te parles ainsi? Change ton regard, change ta façon de parler. Apprends à t'aimer. Est-ce qu'un jour tu as réussi à être fier de toi? Il y a des gens qui croient en toi. Pourquoi tu n'acceptes pas la victoire? Ce n'est pas de l'arrogance, mais de l'assurance. C'est cette assurance que tu dois garder. Tu sais ce que tu vaux. Tu connais ta valeur. C'est vrai que parfois ça fait mal. Parfois tu ressens cette douleur. Tu as envie d'arrêter. Tu as envie de stopper. Et parfois tu regardes trop à tes problèmes. Tu t'apitoies sur ton sort. Et cette attitude est égoïste. Car ce que tu fais n'est pas pour toi, mais pour les autres. C'est pour servir le monde avec tes dons, avec ce trésor qui est en toi. C'est ça que tu dois faire. Quand tu perds espoir, tu dois te dire « Je passe peut-être par une période difficile, mais je ne cesse jamais de m'attendre à de meilleures choses. » Quand tu perds espoir, tu dois te dire « Non, ce n'est pas grave, c'est juste un temps difficile à passer. » Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Tu traverses seulement, c'est juste un passage. Ne t'inquiète pas, tu vas sortir de ce passage. Tu vas sortir de cette situation difficile. Tu dois juste le croire. Tu dois juste être patient et continuer de croire que les choses vont changer. Tu dois te dire qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, les choses peuvent changer. Tu dois avancer. Tu as des gens qui t'insultent, avance. Tu as des gens qui te critiquent, avance. Tu as des gens qui te maudissent, avance. Pourquoi chercher à te venger? Pourquoi chercher à te faire du mal, ça n'en vaut pas la peine. Ne rentre pas dans leur jeu, ne rentre pas dans le jeu de l'ennemi. Reste tranquille et fais ce que tu as à faire. Tout ce que tu entends qui n'est pas édifiant, tout ce que tu entends qui n'est pas encourageant, tout ce que tu entends qui n'est pas motivant, tout ce que tu entends qui ne te fait pas avancer, qui ne te fait pas grandir, mais mets de côté et avance. Ne prête même pas attention. N'essaie pas de te valoriser en abaissant quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la bonne solution. Si tu veux un succès à long terme, arrête d'éviter tout ce qui est difficile. Va chercher tout ce qui est lié à l'inconfort et tu vas évoluer, tu vas grandir. Tu veux la victoire, alors tu dois mettre la foi avec l'action.
Même si tu es blessé émotionnellement, tu sais que la vengeance ne guérit pas. Tu ne peux pas passer ton temps à toujours chercher à te venger. Si tu veux changer ta vie, alors tu vas devoir changer ton cœur, ta façon de croire, ta façon de voir la vie, de voir les autres, de voir ton prochain, de voir ta famille, de voir ta nation. Tout est question de perception, tout est question de révélation. Cet état de victime ne t'aide pas. En disant à chaque fois que c'est dur, tu endurcis ta situation. Et voilà pourquoi c'est difficile. En te limitant dans tes paroles, tu amènes la limitation, tu amènes des blocages dans ta vie. Tout va dépendre de ta foi, tout va dépendre de tes pensées, tout va dépendre de tes croyances. Il te fera fait selon ta foi, selon ce que tu crois. Alors sois excité chaque jour. Sois excité chaque jour de pouvoir avoir une journée avec des nouvelles opportunités, des nouvelles connaissances, des nouvelles relations. Personne n'a dit que ce sera facile. Personne ne l'a dit. Alors continue !